Bonjour et bienvenue à mon vidéoblog. Et la question pour cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est la joie pour vous? Et deuxième question, est-ce que pour vous la joie, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous? Par exemple, quelque chose qui existe uniquement dans la cigarette, ou dans la musique, ou au chocolat, quand vous tombez en amour avec quelqu'un. Et je vous demande cette question parce que récemment, je me suis rendu compte que moi, j'avais le point de vue que j'étais super joyeuse quand je faisais la musique ou quand je dansais. Et le résultat, c'était que si je ne faisais pas ces choses-là, je ne me sentais pas du tout la même, pas aussi en vie et pas pleine de joie et de vie que je pourrais l'être. Et j'ai décidé de changer ça, j'ai dit stop. À partir de maintenant, je reconnais que la joie est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de me retrouver dans la musique ou dans la danse ou autre chose. Et je me suis dit, je vais faire un effort de voir à tout moment la joie partout. Et de vraiment laisser sortir de plus en plus la joie que je suis, plutôt que de le chercher que dans des choses particulières. Donc, est-ce que pour vous, il y a quelque chose de similaire qui pourrait changer? Est-ce que pour vous, vous êtes super joyeux quand vous faites quelque chose, mais le reste du temps, c'est pas le cas? Et ça peut même être quelque chose qui se passe et on ne s'en rend même pas compte. Mais quand moi j'ai regardé ça et j'ai vu que ce que je faisais, ça m'a changé la vie. Et depuis, quand je fais les choses qui avant me rendaient joyeuse, c'est encore mieux. Parce qu'il y a moins de pression. Et je fais encore plus de musique, encore plus de danse qu'auparavant. Parce qu'il n'y a pas cette pression que oh, c'est maintenant que je vais être bien. Parce que je suis bien tout le temps. Je n'ai pas besoin uniquement de ça. Donc, j'espère que peut-être il y a quelque chose qui peut changer pour vous dans ce domaine et que ça peut augmenter la joie que vous sentez tous les jours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et quoi d'autre est possible ?